Salut tout le monde, c'est Brocorse, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 16 de Super Metroid. Donc sans plus attendre, c'est parti direct. Alors, on va aller dans la salle qui est sur la droite, la toute petite salle. Et ensuite, on va remonter en surface. Parce que je me souviens qu'en surface, il y avait un endroit où je ne pouvais pas accéder parce que je n'avais pas le grappin. Mais maintenant que je l'ai, ça va pas être la même histoire. D'abord, il va me falloir remonter là-haut. Par où je peux passer pour monter là-haut déjà? Est-ce qu'il faut pas que je refasse le tour ou un truc dans le style? Je crois que si. Hein. Alors, ça c'est peut-être overkill. Mais pourquoi pas, maintenant que c'est fait. Par là, très bien. Vraiment? Ouais, faut que je refasse tout le tour, quoi. Terrible. Essayer de faire ça vite. C'est pas là. C'est ici. Pas mal. Excusez-moi. Ok. Ça se prend. Très bien. Donc c'était ici. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de sauter sur une de ces plateformes là? Oh, il doit y avoir moyen. Faut avoir un timing par contre juste parfait. On va pas s'emmerder. Il m'a rien lâché. Bonne dorade. Et ici. Ah, ça c'est dommage. C'est ballot ça. Ouh. D'accord. Je prends. Ah, quel dommage, on peut pas.
c'est moche ça. Ben, c'est reparti pour un tour. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi ça? Wave Bean? Vraiment? Show me? Ah ouais, le rayon qui fait... Très bien. D'accord qu'on aurait dit qu'il y avait un truc là. Déçu. Eh ben moi aussi. Allez, on se casse. Ok. Et donc on va remonter maintenant. Il est temps. On va quand même faire un petit détour par la salle de sauvegarde. Histoire de ne pas perdre le wave beam. Je sais pas si c'est hein, notre rayon plus puissant. Un petit peu, ouais. Je tue plus vite ceux-là. Donc ouais. Ça me va. Je vais aller en dessous en même temps. Voilà. On s'en fout. Petite sauvegarde. Merci beaucoup. Allez, on se taille. Donc, je vous rappelle, dans cette zone, tout en bas, il y a un boss, mais je ne peux pas y avoir accès parce qu'il faut que je traverse à la nage de la lave. Je n'ai pas encore l'aptitude qui me permet de le faire. Donc je perds du temps en restant ici. Donc taillot. Aïe, aïe. On va aller vers l'ascenseur et remonter direct en surface. J'espère d'ailleurs que j'y ai accès par là, que je ne me trompe pas. C'est sale bête. Enfin, ce sale son. Ouais, pas de soucis. Et c'est reparti. Ceci dit, je suis pas encore en haut, parce que là j'étais vraiment dans les bas-fonds de la planète, donc il va encore falloir que je monte. Encore et toujours.
si vous voyez ce que je veux dire. Après, je suis pas non plus très très loin, ça devrait aller. Faire le plein. Parfait. Ah bravo. Ça va faire boum. Aïe. Aïe. C'est tout un rond, on est d'accord. Hein. Ouais. Pourquoi je pouvais pas aller à gauche là? Est-ce que c'était pas à cause du grappin? Je suis obligé d'aller voir, je me souviens plus. Je crois que c'était à cause du grappin. Il semble vraiment. Il va faire noir. Je déteste ça. Ailleurs. Oh la vache. C'est une chute. Hein. Voilà, plus chute que ça, tu peux pas. Mais non. Mais lâche-moi. Mais. Okay. Faut angoisser ces bestioles là. Mon chat, n'ayez crainte, je me fais attaquer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? X-ray scope. C'est pas pour voir dans le noir, ça? Comment ça s'utilise? Allô? Peut-être juste en se mettant dessus quand on est dans le noir, en fait, on l'est plus. Ça doit être un truc comme ça. On va tester ça après. Non. Ça
je passe. C'est l'horreur. Très bien. C'est ce que, exactement ce que j'avais calculé. Hein. Que les choses soient claires. Pas du tout. Hein. Très bien. Allez, on va tester. On va attendre qu'il fasse noir. On va arrêter de cracher des missiles. Ça marche le truc. Samus. Je n'ai aucune idée de comment ça marche le truc. Il va falloir que je trouve, parce qu'à un moment ou un autre, je vais en avoir besoin. Saut de la mort, je me rappelle de cet endroit. J'en fais encore des cauchemars. Tellement mal placé. Évidemment. Je suis pas sûr que ce soit de ce côté. Oh si. Si si. Si si si. J'suis pas mal. J'suis pas mal. Eh, lâche-moi! Oh la vache! Est-ce que je me ferais bolos par... maudite plante carnivore. De merde. Je les déteste. Hein. Ouh. La petite sauvegarde, évidemment. C'est un oui. Je voudrais bien savoir à quoi sert ce X-ray. C'est tremble. Pas du tout. Je n'ai aucune idée. Ok. Allez, ça grimpe. Ah!
ça sert à m'éclairer. En fait, il faut maintenir B. Le hasard. Je sais pas si ça m'aide à trouver des passages secrets, peut-être. Ça va être à tester. Pardon ? Je suis en train d'arriver dans une zone où j'étais pas encore venu. J'ai pas du tout calculé mon coup. Mais je prends. Ouais. Alors. Ça c'est dommage quand même. Quand même, monsieur Tesca de ce côté. Faut aimer l'eau. Ah mais je suis exactement là où je voulais me rendre en plus. Je suis un fou. Hein. Tout était calculé. Hein. Ça c'est dommage. Ça aussi c'était calculé. Hein. Si c'était vrai, ça serait bien. Mais ce n'est pas le cas. Extérieur. Nice. On est vraiment à l'extérieur ou c'est genre une grande grotte un peu ouverte. Voilà. Direct dans la flotte. Ok. J'entreaperçois un truc au-dessus, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. C'est de la roche. On s'en fout. Ah ouais, carrément. Je te déteste. Y'a d'autres poissons là ? Ok. Oh là, quel tarot ? Pas du tout. C'est une échelle ça ? Dites-moi que c'est une échelle et qu'en fait je peux grimper dessus, pas du tout. Samus, calme-toi. Elle vole cette meuf. Ah. Ah. Voilà. On est carrément dans une nouvelle zone. Nous sommes dans l'épave du vaisseau. De se trouver une petite sauvegarde assez rapidement. C'est pas beau ça. 25 minutes d'épisode, ça me semble plutôt pas mal, sauf que. Il y avait une ruse. Et ça fonctionne pas. Il n'y a pas d'électricité. On va devoir rétablir le courant, je suppose. Mais...
Ok. Très bien, nous avons donc des fantômes dans le navire. Toujours un plaisir. Des meilleures ambiances. Hein. C'est s'amuser, s'amuse. Ok, là c'est fermé. Ah, voilà qui va être problématique. Alors là, c'est le mystère mystérieux. On verra ça plus tard. Aucun problème. Bon, on peut passer ici aussi. L'épave ne me laisse pas trop le choix en fait, à part où passer. Ce qui me convient assez. Oh. Ok. Je fais combien d'épisodes 28? Qu'est-ce que c'est que ça? Calme-toi. Ouais, pas aimé. Chez. Ou ça me plaît pas ça. Ça c'est un boss. Ou je t'aime pas toi. Thank you.
Ok, je vois. Je te mets du gros missile dans ta bouche. Tu vas kiffer, tu vois. Oh, dommage. Ok, recommence. Aïe. 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 Chiant. Après, en vrai, il me donne beaucoup de vie, hein, ça va. Ah, c'est chiant. Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais me mettre? Je ne toucherai pas, éventuellement. Oh là là. Je suis mort? Ah, dommage. Qu'est-ce qu'il fait? Il est mort. Ok. Il est mort ou pas? Il m'a rien donné. J'y crois pas. Ah si. Ok. L'électricité est revenue, du coup la sauvegarde a fonctionné. C'est un miracle. C'est le miracle de Noël. Bon, c'est un Noël bizarre, je vous l'accorde. Mais quand même. Ah, c'est des robots. Alors avant de continuer à explorer, je pars directement à la sauvegarde, évidemment. C'est pas là, c'est au-dessus, non? C'est pas là du tout. Alors, beaucoup de choses à explorer pour l'épisode 17, c'est bien, c'est bien. Et du coup, les fantômes ont disparu aussi, est-ce que c'est pas beau, ça? Oui, petite sauvegarde. Ben les amis, c'est comme ça que va se terminer cet épisode 16. J'espère qu'il vous a plu, on se retrouve pour l'épisode 17 dès demain. C'était Brocorse, je vous dis à plus.